Neymar au PSG, comment avez-vous réagi quand le transfert a été officialisé hier soir? Bah écoutez, je pense comme tous les fans de football, comme tous les dirigeants des deux clubs de Ligue 1 et puis comme tous ceux qui sont intéressés par le football français, j'ai bien réagi. C'est une très très bonne nouvelle pour la Ligue 1 parce que ça va. Qu'est-ce que ça va changer pour le championnat de France? Ouais. Ça va changer beaucoup de choses parce que Neymar, il a une valeur sportive, bien sûr. Il a aussi une valeur marketing, une valeur médiatique, une valeur économique. Mmh. Donc ça va changer beaucoup de choses. La plupart de nos présidents de club, d'ailleurs, l'ont dit à leur première réaction. Donc Neymar, il va contribuer à remplir les stades de Ligue 1. Il va faire augmenter les audiences devant Canal Plus et nos diffuseurs. Donc il va augmenter l'attractivité de la Ligue 1, la notoriété de la Ligue 1, à l'international en particulier. Est-ce qu'il va du coup augmenter le prix du championnat aussi? Est-ce que le championnat va se vendre plus cher dans les mois qui viennent? Écoutez, aujourd'hui le sujet de la valorisation des droits du championnat, des droits domestiques et droits nationaux n'est pas un sujet d'actualité pour l'instant, mais c'est vrai qu'à l'international, aujourd'hui Neymar c'est une star mondiale, ça fait partie des trois meilleurs joueurs au monde. Il est connu dans le monde entier, en Asie, en Amérique du Sud évidemment, sur son continent, aux États-Unis. Je rappelle que Neymar, c'est 170 millions de fans sur les réseaux sociaux. C'est plus de fans à lui seul que l'ensemble de tous les clubs de Ligue 1. Donc ceci va profiter à la notoriété de la Ligue 1 dans le monde entier. Et bien sûr, donc la Ligue 1 va être plus exposée. Et bien sûr, donc dans les continents comme l'Asie ou l'Amérique du Nord, les diffuseurs voudront diffuser des matchs de Ligue 1 et ça va profiter à notre notoriété.